Michto, cette musique, ça me rappelle le début d'un générique d'une série télé qu'on voyait il y a longtemps, quand j'étais gamin, sous le règne de Giscard d'Estaing. Manix avait tout le temps des vestes à carreaux grâce à des trucages vidéo. Sur l'écran partagé en plusieurs parties, on voyait des moments de sa vie. Il faisait des poursuites en voiture et il tabassait une roulure. Puis langoureusement, les deux lèvres en avant, il embrassait la femme d'un gros trafiquant. Pas peur des ennuis ni de risquer sa vie, sa secrétaire c'était Peggy. Peggy était très belle, j'étais amoureux d'elle. Je n'avais que 10 ans, c'est pas grand. Elle était divorcée, mais j'aurais adopté comme si c'était le mien son enfant. J'ai jamais osé, c'était trop compliqué de lui avouer enfin mon amour. Car Manix était un cousin éloigné à mon copain Charles Aznavour. Les ennuis non merci, je souffre en silence à Paris. Si j'avais fait ça, j'aurais eu collé aux fesses les Arméniens et les Schmitts de Los Angeles. Joe Manix, c'était le genre à me traquer toute sa vie si je lui avais gratté mes Guy. C'était absolument terrible. La Lochifrine, à la valse, c'est le plus fort. À côté de celle-là, mission impossible, c'est les demoiselles de Rochefort. C'est un peu étriqué, alors Peggy et moi, on va déménager. On va bouger jusqu'à San Francisco. Là-bas, on est loin de chez Joe, qui n'a évidemment toujours pas compris et qui continue à dire autour de lui que sa secrétaire c'était Peggy. I love you Peggy, let's go downtown manger des boulettes de viande au cumin dans un resto arménien. Ah non Joe, leave me, c'est Steve mon mari.